Allez, c'est parti pour le début de la course. Verstappen donc vainqueur largement en Autriche sur les terres de Red Bull devant Bottas, Norris, Hamilton inexistant, Sainz, Perez, Ricciardo, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Fernando Alonso, George Russell, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Giovinazzi, Latifi, Raikkonen, Vettel, Mick Schumacher, Mazepin et Ocon donc qui n'a pas fait un seul tour. Donc je vous ai déjà expliqué dans la précédente vidéo hein, ce qui s'est passé grosso modo dans cette course. On va directement passer aux déclarations des pilotes. Et on commence avec l'audio d'Hamilton. Oui, c'est une journée très difficile dans la voiture. Pouvez-vous nous dire à quel point vous aviez des dégâts sur votre voiture, à quel point ça a handicapé votre pilotage? Je ne sais pas vraiment. Des dommages sur l'arrière du plancher. J'avais pas d'arrière, j'avais pas de train arrière, donc c'était très compliqué. C'était évident pour vous de laisser passer Valtteri parce qu'il pouvait vous protéger aussi de Norris. Non, j'étais vraiment trop lent. Je ne pouvais de toute façon pas le garder derrière moi. C'était bien de le laisser passer, il a pu prendre la deuxième place pour l'équipe et c'est ce qu'il nous fallait. Est-ce que vous avez l'impression que l'écart augmente? Est-ce que vous attendez une armée britannique derrière vous dans 15 jours à Silverstone? Non, je n'attends rien. Je vais tout donner en allant là-bas. D'accord, bon. Lewis qui semble un peu désabusé là quand même. Bon, il y avait des dégâts sur sa voiture apparemment. Bon, je ne sais pas à quel point ça a pénalisé, mais. Grosse contre-performance pour lui en tout cas. Allez, on passe à l'audio de Verstappen, le vainqueur de la course quand même. Parti. Le vainqueur du jour. Fantastique week-end pour vous. Une parfaite course aujourd'hui. Comment vous sentez-vous? Incroyable, pour être honnête. La voiture était surréaliste. C'était vraiment très agréable avec ces pneus de piloter aujourd'hui cette voiture. Je me suis un petit peu surpris moi-même de réussir à faire cette course aujourd'hui. Un incroyable travail réalisé par tous, d'avoir été capable de briller à ce niveau. Bien sûr, on est arrivé ici en tant que favori, mais c'est jamais simple d'assurer ce statut. Un énorme effort de toute l'équipe et aussi par Honda sur le package complet en deux week-ends. Ici, ça a été vraiment incroyable. Tout a semblé sous contrôle, peut-être au départ de la course et même au restart. Vous avez vraiment accéléré très tard parce que la vitesse de pointe de Norris était très bonne. Oui, j'avais un petit peu d'écart au départ. Et je savais que si je passais le restart ou le premier tour, je pouvais faire ma propre course. Mais aujourd'hui, ça a été vraiment incroyable. L'armée orange est de retour. Comment vous sentez-vous par rapport à ça? Oh putain, c'était incroyable aujourd'hui de voir tous les fans, tellement de orange dans les tribunes, c'est fou. Ça génère beaucoup de passion. Et dans le dernier tour et dans le tour de retour au stand, il y avait tellement de orange, fumée orange, c'était incroyable. Félicitations. Ce nombre de fans qu'il a, des fans vraiment fidèles à lui et tout en plus. Il y a pas une armée d'anglais comme ça en Autriche, hein, par exemple. Allez, on passe à Bottas, c'est parti. Semblait être un dimanche plus facile que un dimanche plus facile que le samedi. Oui, personnellement, ça a été c'est une meilleure place que le week-end dernier. En tant qu'équipe, on inscrit des points corrects, mais il nous manquait encore du rythme. C'est bien d'être de nouveau sur le podium. J'ai vraiment essayé de maximiser tout ce que j'avais entre les mains. Est-ce que vous avez semblé mieux sur vos pneus en fin de course? Est-ce que c'était un meilleur équilibre? Oui, ils se sont plutôt bien comportés, même s'ils ont commencé à perdre de la performance en fin de course. Mais j'étais vraiment surpris des McLaren parce qu'ils étaient très rapides. Ils nous ont mis de la pression. Dans 15 jours, il y aura Silverstone et on a du travail à faire d'ici là. Mais pour l'instant, je vais savourer le podium et le champagne. Oh bah franchement, belle course hein, de Bottas, rien à dire. Il est tout au-dessus d'Hamilton aujourd'hui, même si Hamilton, bon, apparemment, il avait quelques problèmes de débris ou je sais pas quoi qui ont endommagé sa voiture. Mais il a fait le boulot quand même. Allez, on passe à Norris, c'est parti. Parlez-nous de cette bataille et de cette pénalité avec Perez. Vous avez fait quelque chose de mal? Non. Ah, non. Non, c'était le premier tour. Il était un peu... S'il avait été devant ma voiture, j'aurais rien fait. Mais il est venu à hauteur de ma voiture et il s'est mis tout seul dans le gravier. C'est pas parce que je l'ai poussé. Un peu quand même, hein.
what you expect trying to go around the outside. Je ne sais pas ce qu'il pouvait attendre en essayant de me faire l'extérieur. Il sait que les voitures s'ouvrirent à cet endroit-là. Il est allé tout seul en gravier. C'est pas de ma faute. Voilà. Par contre, je suis pas du tout d'accord avec son analyse, Norris. Manque d'objectivité. Hein. Bon, ils l'ont interviewé que 30 secondes au final, pas terrible. Hein. Allez, Leclerc, qui s'est fait aussi sortir par Pérez, du coup. Charles, on vous a entendu beaucoup crier dans la radio, c'est l'incident avec Pérez, vous pouvez nous en parler ? Oh, c'était frustrant dans la voiture, il y a eu deux opportunités, et j'ai essayé de les prendre. Il n'y avait plus de place à la sortie du virage, mais bon, c'est comme ça. Je pense que j'aurais fait sûrement pareil que lui si j'étais à sa place. Après, c'est sûr que c'est toujours frustrant dans la voiture, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai essayé de tout donner. On n'avait pas l'avantage d'avoir la stratégie inverse des autres pour essayer de doubler à la fin, donc c'était très compliqué. Oui, finalement, la stratégie inverse était bien pour Sainz. D'ailleurs, vous l'avez laissé passer. Et puis, il bénéficie de la pénalité de Pérez. Donc, est-ce que vous regrettez de ne pas être parti, vous, avec les pneus durs ? Bah oui, quand on à la fin de la course, c'est toujours facile de dire qu'on aurait pu faire mieux. Mais bon, aujourd'hui, c'était la meilleure chose pour le team. Faire deux stratégies différentes avec les deux voitures. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait et je pense qu'on a bien fait. Ok, Leclerc, bon. Allez, j'ai l'interview de Laurent aussi qui nous parle d'Esteban Ocon. On va l'écouter, parce que Ocon, il a fait une course de... Enfin, c'est pas de sa faute, il s'est fait prendre un sandwich, mais bon, il aurait fait une course de merde, je pense. Il est pas en forme en ce moment, Ocon. Allez, voyons ce qu'il dit, Laurent aussi. Oui, absolument, une journée difficile. Il y a le petit point arraché à la fin par Fernando Alonso pour sauver un petit peu le bilan. Mais d'abord, si on parle d'Esteban Ocon, très en retrait d'un point de vue performance sur ces deux week-ends et un abandon malheureux dès le premier tour. Comment il se sent en fait ? Il a l'air d'avoir besoin de soutien psychologique, Esteban. Bon, non, on n'en est pas là quand même. Non, il est forcément affecté et déçu par le fait qu'il n'ait pas pu défendre ses chances. D'un autre côté, ça fait trois courses qu'il se bat avec des problèmes techniques, un turbo qui explose à bas coût, des problèmes de fond plat qu'il avait endommagé. Ça va nous permettre de tourner un peu la page et de passer à Silverstone avec quelques différences qui lui donneront l'occasion de redémarrer, pas d'une feuille blanche, mais pratiquement. Donc c'est pas plus mal finalement. On tourne une page un peu douloureuse. A l'inverse, Alonso est impressionnant. On a retrouvé le grand Fernando hier avec toute sa rage et sa colère contre Vettel en qualification. Et là, qui arrache le dernier point. Vous le trouvez vraiment monté en puissance, l'Espagnol ? Ah oui, là, il est très fort. C'est frustrant. Hein. On a rarement vu un point aussi frustrant, finalement, puisqu'on reprend à Russell la place qu'il a eue un peu grâce au fait que Fernando n'ait pas pu défendre sa chance à cause de Vettel, parce qu'il était largement dans les temps d'un 5-6 et d'une Q3. Et la course aurait été incroyablement différente, donc un sentiment un peu mitigé où on prend un point, on pense qu'on aurait pu en prendre plus. Ouais, c'est ça, vrai. La course, hein. Donc il faut avancer et penser à la prochaine. La prochaine à Silverstone, merci Laurent. Merci à vous, au revoir. Bah ouais, le guerrier Fernando qui a chopé le point de la 10e place à Russell du coup, hein, au forceps. Bravo à lui et dommage pour Russell du coup. Et donc Laurent aussi a dit qu'Ocon aurait des évos pour Silverstone qui modifierait sa voiture et tout, donc j'espère que ça va suffire. Quand même, pour que Ocon, que ça s'améliore pour lui, quoi. Allez, on écoute Fernando, justement, le guerrier. Fernando, c'était une très grosse bataille avec Russell pour gagner un point, mais c'était quand même intense. Oui, il était difficile d'inscrire des points aujourd'hui, et on le savait avant même le départ de la course. On s'attendait à ce que ce soit difficile, en partant d'aussi loin, heureux du point. C'est mieux que rien. C'était parlé parce que c'était intense à la télévision, c'était spectaculaire. Oui, très intense. Je suis triste pour lui parce qu'il avait très envie d'inscrire des points. J'espère qu'il en inscrit. Il aura d'autres opportunités d'en inscrire beaucoup des points dans son futur. On a aussi méritier ce point, on s'est battu dur. Alpine le mérite avec la mauvaise chance d'hier. On s'est retrouvé dans une situation très étonnante au premier tour. Je me suis fait dépasser par l'extérieur au-delà des limites du circuit. Et j'ai eu l'impression d'être un peu volé au départ de la course. Explication volé au départ de la course, on le voit avec vous justement, Paul, ce départ. Voilà pour Fernando. Triste pour Russell, mais en même temps, bon. Il faisait sa course aussi, hein, le point, hein. Il le chope, c'est la course, c'est la F1. Et on écoute Georges, qu'est-ce qu'il nous dit Georges ?
George, it was a nice battle in George, the end. C'était une belle bataille au final, mais la finalité est dure à digérer. Oui, essayer de défendre sur un gars comme Alonso. On a eu beaucoup de chance hier, mais c'était un double champion du monde sur lequel je vais défendre aujourd'hui. C'était très très dur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Les pneus à la fin étaient morts. Et c'était le maximum. Bien sûr, c'est décevant, mais on a fait tout ce qu'on pouvait. Ok, ce fut court mais intense, comme on dit. Bref, je pense qu'il y aura d'autres opportunités de marquer des points, peut-être en Hongrie, pourquoi pas. Peut-être que la Williams marchera bien là-bas aussi. Ça reste un petit circuit un peu comme le Red Bull Ring, donc à voir. Par contre, à Silverstone, je pense que pour Williams, ça va être un peu compliqué quand même. Et Kimi qui s'explique avec le crash de Vettel. Comme le dernier week-end, vous finissez très près des points et finalement vous finissez sur un accident avec Vettel. Je n'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé, mais on s'est touché les roues et... pas formidable hein, de terminer comme ça. On n'était pas loin des points, mais... c'était pas trop mal quand même aujourd'hui, mais on manque encore de vitesse. Ouais. Bon, une course à oublier hein, pour Alfa Romeo aussi, pour le coup. Et on passe directement à Vettel. Sébastien, une fin de course très dangereuse. Parlez-nous de cet accident avec Kimi. Je sais pas, je pense que c'est une incompréhension entre nous. Ça peut arriver. Avant ça, c'était déjà difficile avec vos deux arrêts. C'était pas une bonne journée de toute façon. Non, ça allait, c'était plutôt bien au volant de la voiture. Mais il manquait un peu de rythme. Putain la vache, les déclarations sont super courtes quoi. Ils ont rien de plus à dire, les mecs sont dégoûtés en fait. Tu m'étonnes, 16 et 17. Au final, on sait même pas si vraiment Vettel a abandonné ou pas. Kimi, il a pas abandonné, c'est sûr, il a coupé la ligne. Vettel, je sais pas, c'est... bon, c'est un peu l'inconnu. Allez, on écoute Carlos Sainz. Carlos, discussion with Charles, team. Une discussion avec Charles, vous avez joué en tant qu'équipe aujourd'hui. Il vous a laissé passer et finalement vous avez gagné des positions à la fin. Oui, on a très bien joué. On a bien exécuté notre course ce week-end. C'est un week-end où nous avons maximisé le potentiel de notre voiture et j'en suis heureux avec ce résultat global. Et il en reste encore du travail à faire quand on voit ce que fait McLaren. Mais après le départ de la course, c'était vraiment difficile avec les pneus durs, mais j'ai vraiment réussi à optimiser. Partir avec des durs, c'était peut-être le bon choix. Parce qu'on a vu Raikkonen aussi très bien placé. C'était un mauvais choix sur les premiers tours, j'ai cru qu'on s'était planté. Et puis après 10 tours, je me suis dit, ouais, on va peut-être pouvoir en faire quelque chose. Mais c'était vraiment dur. Hein. Tour 1, j'ai vu les pilotes autour de moi avec plus de grip, je me suis dit que ça allait être difficile. Ouais, bon, Sainz, il a fait le job, hein, franchement. Hein. Très bonne course de sa part, rien à dire. Il a même réussi à conserver assez d'avance pour finir devant Perez au final. Bien joué à lui. Enfin, pas conserver de l'avance, mais maintenir un écart en dessous de 10 secondes, quoi, avec Perez. Donc, il a bien géré. Belle cinquième place. Alors, attendez, parce que c'est pas fini, cette histoire. Bon, je vais pas attendre minuit hein, pour poster la vidéo qui fasse les comptes rendus, là, et tout le bordel. Il y a 11 pilotes convoqués chez les commissaires. Incroyable. Le crash entre Vettel et Raikkonen déclenche le chaos. Un total de 11 pilotes ont été convoqués chez les commissaires après le Grand Prix d'Autriche. On savait que Kimi Raikkonen et Vettel étaient appelés pour leur accrocher en fin de course. Russell est également convoqué pour avoir bougé au freinage. La direction de course a annoncé que 8 autres pilotes passeraient devant le bureau des commissaires. Sainz, Perez, Ricciardo, Leclerc, Gasly, Giovinazzi, Latifi et Mazepin ont été appelés pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes consécutifs à l'accident. Entre Vettel et Raikkonen, les pilotes ont commencé à défiler devant les commissaires. Les audiences dureront jusqu'à 19h. Il faudra donc s'attendre à un rendu de décision assez tardif, compte tenu du nombre de cas étudiés. Voilà, c'est n'importe quoi, sérieux quoi. La F1 dans toute sa splendeur. Et le nombre de pénalités qui ont été émises dans ce Grand Prix, c'est assez fou aussi. Bon, après, c'était plutôt mérité pour la plupart, mais bon. Alors justement, il y en a un pour qui ça pue un peu, c'est Norris. Il est à 2 points d'une course de suspension après l'incident avec Perez, le pilote également. Sanctionné sur sa licence, en plus des 5 secondes. Alors, Norris et Perez ont écopé de 3 points de pénalité à eux deux, de 3 pénalités à eux deux pour une série d'incidents lors du Grand Prix d'Autriche. Les pénalités, qui ont toutes été infligées pour avoir forcé d'autres pilotes à sortir de la piste, ont commencé à tomber suite à l'affrontement de Norris et Perez au 3e tour de la course. Le duo est entré dans le virage côte à côte. Bon, ça, on l'a vu. Alors que le pilote McLaren a accéléré vers l'extérieur du virage, Perez a été poussé sur le gravier. Le pilote Red Bull a perdu 7 places, tombant à la 10e place.
Après une longue enquête, les commissaires ont annoncé au 20e tour que Norris aurait une pénalité de 5 secondes. Pérez a ensuite été impliqué dans deux accidents similaires qui ont conduit le pilote Red Bull à une pénalité de 5 secondes. Leclerc était furieux après avoir été poussé dans le gravier au virage 4 puis 6. A noter que Norris s'est vu infliger 2 points de pénalité sur sa licence, ce qui lui vaut un total de 10, le laissant à 2 points d'une course de suspension automatique. Alors là, franchement, ça pue vraiment pour Norris, même si je vois sur le site que la première pénalité de Norris était en Styrie justement l'année dernière. Donc, en gros, le 10 juillet, il va récupérer 2 points, Norris. Donc, il sera à plus que 4 points de pénalité. Par contre, les prochains points qu'il devrait récupérer, ça serait en novembre, mi-novembre. Wow. Ah ouais, donc, en gros, Norris, jusqu'à la mi-novembre 2021, puisque là, vous voyez, il a perdu 3 points en Turquie, jusqu'à mi-novembre 2021, il aura que 4 points sur son permis, hein. Donc il va y en avoir des courses jusqu'à mi-novembre, au moins 6, 7, on va regarder d'ailleurs, peut-être même plus. Alors on va compter. Donc, Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique. Ah mais attendez, je suis con moi, pourquoi je prends le classement? Qui est con? Je veux les calendriers. Voilà. Donc, Grande-Bretagne, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 courses. Oh, 11 courses avec seulement 4 points sur son permis. Il va pas falloir faire de conneries, Lando. Sinon, il sera suspendu d'une course. Ah là là, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Donc là, pour l'instant, il a plus que 2 points sur sa licence. Mais comme j'ai dit, dans une semaine, il aura gagné 2 points. Donc, en gros, à partir de la Grande-Bretagne, il aura 4 points. Mais il y a encore 11 courses pour qu'il regagne 3 points supplémentaires. Donc, ça pue un peu pour lui, hein. Attention, Lando, il va pas falloir faire de conneries. Bon, bah on verra comment ça se passe pour lui, du coup. Alors, Ocon, il regarde son départ en fond de grille en Autriche. Ce sont forcément des conséquences de partir si loin. Il a été pris en sandwich entre Mick Schumacher et Giovinazzi, donc, à la sortie de l'épingle Remus. Et le Français n'a pas pu éviter Alfa Romeo, qui a cassé suspension avant droite. Ouais, d'ailleurs, j'ai trouvé que la suspension avait cassé assez facilement. Bon, étonnant. Ce sont forcément les conséquences de partir si loin. Il se passe toujours beaucoup de choses à l'arrière. Il y a des incidents qui ne sont pas terribles, des incidents de course, note-t-il. J'aurais pu freiner avant, mais j'aurais perdu toutes mes places, et je serais ressorti dernier. J'étais entre les deux voitures, et je n'ai rien pu faire, quand j'ai accéléré, les deux voitures se sont resserrées. Giovinazzi ne sait pas qu'il a Mick et moi sur le côté. C'est une petite touchette avec de grosses conséquences. On va oublier ces deux week-ends, revenir plus fort à Silverstone, et faire un reset complet. Il pense toutefois que la situation s'améliorera en Angleterre. On ne peut pas faire pire, on ne pourra pas être moins bien ou moins compétitif qu'en Autriche, on va repartir 2-0 et penser à autre chose pour préparer le prochain Grand Prix. Bon, j'espère que sa remise à zéro, entre guillemets, lui portera chance, parce que là, c'est vrai que c'est un peu la merde hein, pour Ocon en ce moment. Alors, on passe à Pierre Gasly et à Tsunoda, du coup. Gasly regarde la stratégie de Tsunoda au bout du rouleau. Une course difficile et 2 points pour AlphaTauri. C'est sûr qu'en partant avec des pneus tendres, ça a été plus compliqué qu'on ne pensait. Il y a eu pas mal de dégradations, on se retrouve dans le trafic. Dans le deuxième relais, on a perdu du temps. Le dernier relais a été très bon, je revenais très fort sur Charles et Daniel, et il ne nous a malheureusement pas manqué beaucoup. C'est dommage, mais en voyant tous ceux qui ont fait la même stratégie, Vettel, Stroll et Yuki, ils ont tous fini loin, donc je pense qu'on peut être content. Il ne regrette aucunement le choix des pneus tendres en Q2, ce qui lui a permis de partir 6ème. Il faut toujours attaquer, on essaie de temps en temps de passer en médium, mais ce week-end c'était compliqué. Je pense qu'on a fait un choix et ça n'a pas payé autant que ce qu'on pensait, mais on se bagarre avec les Ferrari et les McLaren, qui sont des voitures plus devant nous au championnat. C'était quand même une bonne course, mais ça n'a pas été simple avec les tendres et les durs. Avant de prendre une semaine de repos, Gasly sera encore en essai en Autriche mardi. J'ai 170 tours qui m'attendent sur le Red Bull Ring avec les Pirelli. Je pense que j'en aurai assez de cette piste après mardi soir. Je vais rentrer en France ensuite, aller voir ma famille et me reposer. Ah ouais, c'est dur. 170 tours quand même. C'est plus de 2 courses. Hein. Pénalisé 2 fois pour avoir franchi une blanche en rentrant au stand, Tsunoda semble découvrir la règle, pénalisant les pilotes commettant cette infraction. Je ne comprends pas ces pénalités. J'ai fait pareil aux essais, mais on ne m'a rien dit. Pff, oh là là. Le Japonais a vécu un triple leader difficile. C'est une course à oublier, de toute façon. La voiture n'était pas facile à piloter. Ces 3 courses ont été dures à enchaîner, mais je reviendrai en meilleure forme à Silverstone. Là, j'ai besoin de souffler un peu. Ah bah ouais, mais bon, Tsunoda, dans le futur, la F1, il y aura plus en plus de courses, donc les triple leaders, il y en aura de plus en plus aussi. Il va pas falloir faire la mauviette, là.
à dire ah, je suis épuisé, je vais me reposer. Non, non, c'est pas ça être pilote de F1. Hein. Il faut savoir enchaîner les Grands Prix, hein, Tsunoda. Hein. Sinon, tu restes chez toi hein, et puis tu laisses ta place à quelqu'un d'autre. Non, mais c'est pas possible ça quand même. Alors, déclaration de Pérez, hein, il se dit vraiment désolé pour Leclerc après les incidents en course. Le Mexicain a poussé le Monégasque deux fois hors piste. Avec Charles, je suis vraiment désolé parce que c'est pas ma façon de courir. Je ne suis pas ce genre de pilote qui court de cette façon. Ouais, enfin bon, tu l'as quand même fait, Sergio, au final. Nous étions dans un air très sale, avec des pneus très chauds, des freins très chauds, et nous essayons juste de freiner le plus tard possible, évidemment. Je n'ai pas vu les incidents, mais je suis vraiment désolé si j'ai fini par affecter sa course, car Charles est un pilote qui court très dur, mais toujours à la limite, et je suis du même tonneau. Donc je ne suis pas content de moi, et je passe à autre chose. Donc il a parlé à Leclerc immédiatement après l'arrivée de la course. En gros, je lui ai dit que ce qui s'était passé de mon... je lui ai dit ce qui s'était passé de mon côté, mais évidemment, ce n'est pas assez pour le calmer. Ce n'est pas agréable quand vous avez ce type de problème, mais il sait de mon côté que je ne suis pas un pilote sale. J'ai ma conscience et mon historique pour moi. Le pilote Red Bull a également été contraint de quitter la piste au troisième tour de la course. Après le redémarrage de la safety car, à cause de Norris, le pilote McLaren a été aussi pénalisé. En gros, avec Norris, c'était le premier tour, ou presque, il s'en est tiré. Il n'a eu aucun dommage, mais évidemment, la prochaine fois peut être très différente, et ce n'est que le premier tour. Je sentais que j'étais passé devant, il m'a juste fait sortir du circuit, ce qui n'est pas juste en course. Ouais, d'accord, bon. Bref, en tout cas, deux fois quand même, deux fois 5 secondes hein, pour Pérez, qui perd une place, du coup, au profit de Sainz. Alors, As. Schumacher avait parfois le rythme des Alfa Romeo, nouveau constat d'échec pour Mazepin. Le rookie allemand revient aujourd'hui sur cette course d'attrition utile pour comprendre la protection des pneus. Waouh, le mot là, attrition, bravo quoi. Il fallait sortir. Hein. C'était un défi, les pneus plus tendres signifiaient que nous devions faire un peu plus de gestion générale. Il y a eu une partie de la course où notre rythme correspondait à celui d'Alfa Romeo et de Williams. Il semble donc que nous n'ayons pas été en mesure de réaliser ces temps autour de façon constante. Nous allons devoir analyser ce que nous pouvons faire de mieux, mais néanmoins, nous avons réussi à apprendre quelque chose, surtout en début de course. Nous avons eu un bon premier tour, nous avons été en mesure d'être dans le peloton tout de suite dans les premiers virages. Donc beaucoup de choses ont été apprises de ce côté-là, et maintenant, nous allons à Silverstone avec un esprit ouvert. Mazepin, nous avons... adopter des stratégies alternatives. Nous avons fait deux arrêts au stand, ce qui n'a pas fonctionné. Je pense que la chute des performances des pneus n'était pas aussi importante que ce à quoi nous attendions, mais le problème, c'était les drapeaux bleus. Vous n'êtes pas en mesure de maintenir votre rythme parce que vous devez vous arrêter plus souvent. C'était un long après-midi. Bon, je vous zappe hein, ce que dit Steiner. Pff, c'est bon, quoi. Alors, Alfa Romeo. Kimi. C'était une course où la voiture était plutôt bien, mais il nous manquait juste ce petit quelque chose pour être dans le top 10. Il manque toujours ce petit quelque chose pour Kimi, de toute façon. Nous avons eu un premier long relais sur les durs, puis sur les médiums, nous avons pu rattraper les gars devant qui se battaient pour la 10e place. Alonso a dépassé Russell, puis je me suis rapproché, puis il y a eu le contact avec Seb. Nous sommes touchés, c'est tout. Au final, ça n'a pas changé le résultat, car nous étions tous les deux juste pour les points. Alors, du coup, après avoir revu l'accident, je l'ai vu, mais je ne sais pas comment nous avons fini par nous toucher, je ne sais pas si j'ai bougé ou s'il a bougé, il faudra que je voie ça. Très bien. Giovinazzi. Une journée frustrante. Comme la semaine dernière, notre course a été compromise dès le premier tour. J'ai eu un contact avec Esteban et j'ai dû rentrer au stand. Nous avions un bon rythme après, mais tout le monde était proche et il était très difficile de remonter autant de places. Je me suis retrouvé coincé derrière une Williams, puis j'ai même eu une pénalité, un week-end oublié. J'espère que nous pourrons faire une meilleure course à Silverstone car la performance n'était pas mauvaise. Ok, bon. Aston Martin, qui finit son voyage en Autriche avec un accident et sans aucun point. Ouais, alors là, la course a oublié clairement... Encore une fois pour Aston Martin. C'était pas la course qu'on espérait aujourd'hui, admet Stroll. Je pense qu'il est clair qu'avec le recul, partir avec les temps n'était pas idéal, même si nous avons réussi à nous maintenir dans la lutte pour les points pendant la première phase de la course. Lorsque nous avons fait notre premier arrêt pour chausser un nouveau train de pneus durs, nous sommes ressortis dans un trafic assez important avec des voitures ayant des stratégies et des pneus différents. Nous avons perdu du temps et nous n'avons pas profité de la meilleure fenêtre de fonctionnement des pneus au début du deuxième relais, ce qui a eu un impact sur notre course. C'est une fin décevante de ce triple leader, mais je suis excité à l'idée de faire notre course à domicile à Silverstone dans 2 semaines. C'est un circuit très différent, et nous aurons également un nouveau format de week-end, donc on repart de zéro et on espère rebondir. Vettel, ce n'était pas une course facile aujourd'hui, et elle s'est terminée par un voyage dans les graviers à cause de la mésentente avec Kimi, je suppose qu'il ne m'a tout simplement pas vu devant lui. La première chose que j'ai sentie, c'était le contact à l'arrière-gauche, j'étais bien sorti du 4e virage et j'ai devancé Kimi sur la droite. Je ne pense pas qu'il y avait une mauvaise intention de la part de Kimi. Même avant ça, nous n'avions pas la vitesse pour nous battre pour les points aujourd'hui. L'équipe de la voiture était bon, mais les voitures chaussées de pneus médium avaient de meilleures performances dans le premier relais lorsque j'étais coincé dans le trafic. Sans air propre, c'est décevant de ne pas marquer de points,
mais nous allons travailler dur pour comprendre où nous pourrons nous améliorer avant d'arriver à la prochaine course à Silverstone, sur les terres d'Aston Martin, du coup. Incroyable. Bon, ben Russell, après, on l'a écouté tout à l'heure, hein, je vais pas vous relire ce qu'il a dit. Il est évidemment déçu de rater les points, forcément. On va passer directement à Latifi. Ce n'était pas une journée très mouvementée de mon côté, nous sommes restés en dehors des problèmes dans les premiers tours, et ensuite j'ai couru tout seul pendant la majeure partie de la course. J'ai eu l'impression que nous manquions encore de rythme dans l'ensemble, mais il y avait des endroits où la voiture était bien meilleure que la semaine dernière. Donc, nous avons clairement fait quelques pas en avant. Nous allons repartir et voir ce que nous pouvons améliorer pour la prochaine fois. Je déteste ces déclarations à Latifi. Qu'est-ce que sont fait chier à chaque fois. Il dit toujours la même chose, hein, vraiment. Quel enfer, quoi. Bon, alors, je finis la vidéo, il est 18h52, donc je vais pas attendre que la FIA bouge son fion pour ressortir la vidéo débriefing. Hein. Au pire, je referai une vidéo pour voir s'il y a des pénalités ou autres qui tombent. A priori, je pense pas qu'il y aura des pénalités qui changeront le top 10. Peut-être après, mais bon, ça me paraît peu probable quand même. Allez, on va analyser le classement, et on va se quitter là, du coup. Alors du coup, c'est 32 points d'avance hein, pour Verstappen, ça fait plus d'une victoire déjà. Et 32 points, une victoire et 7 points, quoi. Quel enfer, il reprend 14 points encore à Hamilton, là. Alors honnêtement, je ne vois pas comment Mercedes va pouvoir inverser la tendance. C'est une hémorragie, là. Il faudrait vraiment un abandon, et encore un abandon de Verstappen et une victoire d'Hamilton. Hamilton, ça suffirait même pas pour lui, pour revenir devant, quoi. Il sera encore à 7 points. Pérez 3ème, Norris du coup qui marque 15 points, il a 3 points de Pérez hein, quand même, lui c'est un monstre. Hein. Bottas, 5ème du classement, qui revient un peu sur Pérez du coup et Norris. Leclerc 62 points, Sainz 60, ils sont très proches les pilotes Ferrari, ça fait plaisir d'avoir une équipe Ferrari homogène cette fois. Ricciardo 40 points, qui a 2,5 fois moins de points que son équipier, tout simplement. C'est énorme, bon même si là encore il a marqué des points importants, c'est vrai. Gasly 2 points marqués. 39, Vettel 0 points marqué, Alonso 1 petit point marqué, Stroll 0 points marqué, Ocon non plus, Tsunoda 9 points au total, 0 points marqué, et les deux Alpha également, donc toujours pas de points pour Williams ni pour Russell, dommage. Quant au championnat constructeur, donc Red Bull reprend 4 points sur Mercedes, bon 4 points c'est pas énorme, alors ça me paraît un peu plus serré au championnat constructeur par rapport à Red Bull, je pense que c'est pas joué encore. Peut-être que Mercedes pourrait s'en sortir sur certaines courses aux constructeurs, mais aux pilotes, quand même, là, c'est dur. Hein. Donc Mercedes a 44 points d'avance sur... retard, sur Red Bull. Alors, en gros, ça fait un doublé, quoi, tout simplement. Un doublé à 0 points. Alors McLaren, donc 3ème, qui prend de l'avance encore sur Ferrari. Ferrari qui marque 14 points. AlphaTauri qui conforte son avance sur Aston Martin, 2 points de plus de grappillé. C'est toujours ça de prix. Et Alpine qui reprend un point. Aston Martin, qui revient à 12 points seulement. Bon, après, est-ce qu'ils vont pouvoir rattraper Aston Martin? Ça, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Voilà pour ça, Alfa Romeo, donc 2 points. Bah écoutez, c'en est fini de ce débrief. Je réactualiserai une dernière fois, voir si vraiment il n'y a pas d'actu qui est sorti, 18h55. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein, tout simplement. On a fait le tour pour ces débriefs. Les pilotes Ferrari, on les a entendus en audio, donc c'est bon. Évidemment, s'il y a une modification du classement, on changera ça. Enfin, on changera ça dans les pronos déjà, s'il y a une modif du top 10. Et s'il y a une modif du classement, j'en parlerai, hein, quoi qu'il arrive, sur la chaîne. Mais a priori, bon, il y aurait 11 pilotes à pénaliser. Au pire, ils se prennent tous une péna, comme ça change rien au classement, quoi. Je pense que ça va être ça l'idée. Bon bref, allez, je vous laisse. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la course. Moi, pour le coup, si je devais donner une note, je mettrais 14. On s'est pas emmerdé, contrairement à la semaine dernière. Il s'est passé pas mal de choses, malgré qu'il n'y ait pas eu de pluie. Bon allez, je vous laisse réagir et je vous dis bye bye. Bye.